Détendu mais résolu. En s'imposant à Lyon le week-end dernier, les hommes de Franck Azéma ont repris la deuxième place du top 14. Une place synonyme d'accès direct aux demi-finales. Désormais, avant d'affronter La Rochelle lors de la dernière journée du championnat, ils ont leur destin entre les mains. L'objectif pour les joueurs étant d'éviter de passer par la case barrage. Avoir une semaine de récup en plus, ça peut nous faire du bien, ouais, parce qu'on a enchaîné beaucoup de matchs, on a enchaîné des gros matchs contre des équipes solides. On va prendre les Saracens, qui est une équipe costaud, donc si on peut avoir une semaine de régénération entre, ça peut être que bénéfique pour nous. Car après le 13 mai, jour de la finale de la Champions Cup contre les Saracens, il faudra bien évidemment retrouver de la fraîcheur pour le top 14. Ça va nous faire une petite coupure, on va avoir le match de Coupe d'Europe, je pense qu'il va être dense, très physique, qui va être éprouvant. Contre une équipe de Saracens qui, elle, joue beaucoup sur ce point de la densité physique, sur l'impact d'avant qui est très puissant. Donc je pense que d'avoir une coupure derrière pourra faire que du bien aux organismes de tout le monde. Une coupure bénéfique, pas forcément, car en 2010, l'ASM avait disputé un match de barrage avant de décrocher le premier bouclier de Brennus de son histoire. Il n'y a pas de vérité pas là-dessus. Et imaginons qu'on soit surprenant ce week-end. Il faudra passer par un quart et ça ne veut pas dire que tu seras éliminé après un quart. Donc il n'y a pas de règle. Ce que tu sais, c'est que ça t'enlève une semaine et que peut-être que ça sera bénéfique. Maintenant, le fait qu'on ait validé, qu'on ait travaillé toute la saison avec 50 joueurs fait que la fraîcheur, on en a quand même aussi. Donc je ne peux pas te dire. Après, je préfère aller directement sur une demi. C'est un match de moins à jouer, hein, tant au niveau du rythme qu'aussi du résultat. Des Clermontois face à des Rochelais qui pourraient se déplacer avec une équipe quelque peu remaniée, une équipe de Charente-Maritime, certaine de terminer première de la phase régulière du top 14.